Cocteau, c'est ton ami. Soutiens-le dans la boutique et il sera ravi. Oh, du gibier encore. Eh, j'ai pas le temps de... Ah que coucou internet, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, tout simplement. On va essayer de faire top 1 en campant dans un canon. A l'époque, on connaissait camper dans un buisson, mais ça, c'est trop obsolète. Maintenant, place à camper dans un canon. On va essayer ça. Et quoi de mieux pour camper un canon? J'aurais dit Lazy Lagoon. Mais du coup, c'est pas du tout dans la zone. Donc, je vous propose ce petit endroit où il y a les canons. Et c'est tout le temps dans la zone. En fait, c'est dans le centre de la map. Donc, c'est quasiment 9 fois sur 10 dans la zone. Bah, go y aller. J'espère que j'ai pas tombé sur des mecs trop chauds. Parce que tout à l'heure, je suis arrivé à faire quelque chose de pas mal. Mais il y a un mec qui est vite venu me rattraper en mode karma. Hein. Space 12, level de ouf. Double édition, taca. Et Cocteau, il léchait le sol. Hein. Je suis retourné au lobby, ouais. Bon. Allez, go, c'est parti. J'espère avoir du bon stuff aussi. J'avais un tactique, mec. Un random.org, comme j'appelle. Ça met des dégâts random. Random.org, vraiment, c'est le truc le plus random. Bref, et puis pendant qu'on attendra, je lirai mon chat Twitch, bien évidemment. S'il y en a qui veulent venir me voir aussi sur Twitch, le lien est en description. Hein. Bien évidemment. Je trouve ça bête qu'ils aient enlevé les aérodromes en vrai, parce que du coup il n'y a plus les overboards. Ils auraient dû laisser un petit stand d'overboard là, parce que du coup bah ils ont enlevé les tyroliennes, les overboards, tout, et en fait bah il reste plus rien quoi. C'est un petit peu dommage. Allez, un coffre là, nickel. Ouais, un deagle, enfin deagle les gars, je suis pas mauvais mais quand même. Ouais. Et quand on parle du loup, le voici, le voilà, le random.org. Le fameux random.org. Vraiment intéressant. Donc là, la strat que je vais faire et que je fais, c'est que je tourne un canon. Hop là, je tourne un canon comme ça. Là. Vous tournez un canon comme ça. Vous tournez bien sûr celui-là, mais plus. Vous allez voir, hop là. Vous le tournez plus dans ce sens-là. Là. Hop là. Comme ça, le mec, il va arriver. Il va être en mode. Il va voir le premier canon, il va dire oh, bah, y a rien. Et là, il va prendre la mini-pote et vous allez être juste là. Lui, vous pouvez le laisser comme ça en vrai. Comme ça, au moins, si jamais il y a un mec, vous pouvez vous enfuir. Et là, du coup, vous allez rester. Oula, comme ça. Donc là, vous avez un petit visu sur le côté à gauche quand le mec va arriver. Et vous allez sortir avec votre pompe. Bref, je vais mettre des petites vidéos en attendant. Et puis, en espérant que le gibier a mordu à l'hameçon. Allez, à tout à l'heure. Oh, j'étais en train de regarder une vidéo sur la comparaison des pizzas. Je vous assure que c'était incroyable. Bref, j'ai entendu un mec là. Oh là, je me fais. Mec, comment tu peux camper en vrai dans Fortnite? C'est fou le chiant. Ah, ça arrive. Il va falloir être rapide. Il va falloir être très rapide, les gars. Il arrive. Oh, je l'ai tué. Oh, mec. Oh, je vais prendre la mini-pote quand même. Oh, le seum qu'il doit avoir. Mec. Wow, cette technique est incroyable. What the fuck? Je l'ai tué. En vrai, tu t'y attends pas. J'ai loupé mon premier shoot. Après, c'est un tactique. J'ai pas l'habitude d'utiliser ce genre d'arme. Franchement, la technique est vraiment incroyable. J'ai encore une mini-pote, j'ai pas bu. Ah, mais il avait 4 mini-potes. Ah, bah, go remettre une mini-pote là. C'est ce qui attire un peu les gens, hein, j'avoue. J'ai peur de me ramasser une balle de sniper en faisant ça. Pour me ramasser le karma. Attendez, hop là. On se courait, c'est dans un. Hop là. Je soigne la présentation du truc. Hop là, nickel. Mes armes sont bien chargées. On recampe dans le. Mec, si on arrive à faire plus de 3 kills, en vrai, ça serait énorme. Vas-y, bah go, bah, on se retrouve juste après. Et franchement, je suis étonné que ça a aussi bien marché. Et bah, franchement, je vais me recultiver un petit peu avec ma comparaison de pizza Echo plus VS pizza Very Big. D'ailleurs, les gars, vous êtes plus pizza ou tacos? Ah, franchement, voilà, pizza ou tacos, ça serait dur à choisir. Bref, on n'est pas là pour débattre, on est là pour camper. Et du coup, on se retrouve juste après. Moi, je vais continuer ma petite vidéo. Shoot. Il va arriver à gauche. On a l'information. Et plusieurs fois je loupe mon shoot. Hein. Oh là là, mec! Trop fort! Ils s'y attendent tellement pas, mec! Oh là là, par contre, du coup, les gars, pour ceux qui savent pas, j'entends pas de l'oreille gauche. Donc peut-être mieux me placer de ce côté-là. En plus, je les verrais peut-être mieux arriver. Mais j'ai peur qu'ils me voient y arriver aussi dans le canon. J'ai peur qu'on me voie dedans, en fait. Mais du coup la technique marche très bien et on va continuer comme ça. On a récupéré un peu de vie, intéressant. Et ben, ah merde, j'ai pas la zone. Ah mais il y en a un autre là. Il y a un autre camp ici. Et ben là les gars, on va se retrouver directement dans l'autre camp et puis voilà, allez, go me mettre dans l'autre camp là-bas. Oh!
Oh, du gibier encore. Eh, j'ai pas le temps de... Oh! What the fuck, la technique! Oh, elle a fait une trappe. Oh non, la technique est trop OP, les gars. La technique est trop OP. C'est obligé que ce soit patch. Oh, what, mec? Oh, il doit avoir le seum, regardez, ils sont tous les deux à me regarder, là. Ils me regardent tous les deux. Oh, c'est full troll, mon gars. Oh, la tête qui fait mal, là. Bon bah tant pis, on se retrouvera dans la zone, j'ai très mal joué, c'est pas grave, c'est ma faute. Oh mec, je mets que des têtes, j'ai un wallack mec. J'ai un wallack, c'est vrai que... Un wallack permet de te voir à travers les murs et pas tellement de tirer dans la tête, mais... Ah, fils de pute. Toi, t'as attendu toute la game, hein, camper, hein. Ça, tu sais faire, ça. Les gars, voilà la deuxième game. Et à la fin de la vidéo, j'essaierai de vous mettre quelques compilations de kills que j'ai fait en me cachant dans le canon. Allez, bon visionnage. Ah, 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 ah. Ça arrive. Il va falloir être très rapide et très efficace. Hein. J'ai pas de shield. Ça monte, il est là. Oh, je l'ai eu! What? Il s'y attendait tellement pas. Ah, la pauvre Sky. Ah, il a beau construire, faire ce qu'il veut. Le tactique, c'est trop chiant, tu spam avec. Prends. Bon, comme quoi, quand on campe, on se fait toujours karma, les gars. J'avoue que là, j'ai un petit bug. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. Ne campez pas dans Fortnite. Vous n'allez pas vous améliorer. C'est pas fair play du tout. Mais bon, c'est une petite histoire. Vous montrer que ça marche, mais vous ferez karma dans la vie. Soyez honnête, soyez généreux. Soyez tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si vous voulez être généreux. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à aller voir la chaîne Twitch qui est en description. C'était Cocteau.